Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PES 2016 avec une rencontre France-Cameroun pour démarrer. Pour démarrer cette vidéo. Allez. Alexandre Song qui repousse le ballon. Allez, Sony. Ouh, ce ballon vers Martial qui est mal donné. Et Bédimo pour NG. Ouh, la frappe lointaine arrêtée par le gardien. Ce sera un corner. Oh oui! L'ouverture du score de Torres. 1-0. Ce corner joué à deux. Et il transmet le ballon à Torres qui enroule au second poteau, qui ne laisse aucune chance au gardien. Moukanjo, la récupération de Pogba. Kameni qui dégage le ballon loin devant. Oui, le ballon. Oh! Ouh, la tête de Torres et l'arrêt de Camille. Attention, Lucien Bonnet. La récupération de Digne. Varane, Digne, Pogba. Oh, l'arrêt de Camille là, à bout portant, face à Torres. Le ballon récupéré. Et Torres qui part en dribble. Torres, la frappe lointaine. Et la claquette du gardien. Le ballon capté par Kameni. Et Sony. Pour la relance, la mi-temps signalée par l'arbitre. 1-0 face au Cameroun. La seconde mi-temps qui est signalée, le coup d'envoi est signalé. Attention, Alexandre Song. Torres au pressing, il ne parviendra pas à récupérer ce ballon. Le ballon devant Pogba qui récupère.
Wow! Ouh, le ballon à côté du cadre. Dommage pour Martial. Torres. Oh oui, Martial! Ah non, c'est la Lacazette qui ouvre le score, qui double la mise. Le deuxième but des Français. Beau ballon vers Lacazette. Je crois que c'est Kondogbia qui donne ce ballon. On va vérifier ça. Voilà, Kondogbia. Beau ballon vers Lacazette. Et Mukanjo qui sort, remplacé par Jacques Zoua. Et la casette. Oh oui! Et Torres! Le deuxième but de Torres dans ce match. 3 à 0. Là, il transmet à la casette. La casette qui semble subir une faute. Oui. Et Torres qui était là pour frapper ce ballon à la place d'Alexandre Lacazette. Et Ngie qui se remplaçait par Meyong. Triplé! Le triplé de Torres dans ce match. Lacazette qui fait l'appel en position du ballon. Torres qui le demande, il lui donne et du pied droit, il vient enlever la toile d'araignée de la lucarne. Et Martial qui sort remplacé par Griezmann. Allez. Allez, 5 minutes de temps additionnel. Ouh, l'arrêt de Kameni. Cette frappe n'était visiblement pas cadrée. La frappe encore! Torres, le quadruplé, 5-0 face au Cameroun. Magnifique. Là, il passe et au 25 mètres, il arme sa frappe. Non, à l'entrée de la surface même. Au 20 mètres.
Et voilà, 5-0, le quadruplé de Torres. Oh, la frappe de Torres encore et l'arrêt de Kameni. L'arbitre va peut-être siffler. Voilà la fin de ce match avec la victoire française 5-0 qui se rattrape de leur résultat face à l'Espagne. Vous avez perdu 2-1. Rien. Passe décisive ou pas? Non. 4 buts dans cette rencontre de Torres. Allez, 39 matchs, 42 buts. Oui, 42. On est à 9. 9 buts. C'est ça, 9? 51. Ouais, 9 buts de. Du record de Thierry Henry. Allez, donc là, on joue face à Numancia. En Coupe d'Espagne, on est. En pointe avec Roberto. Allez, c'est parti. La Coupe d'Espagne, le deuxième tour où on doit s'imposer pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Pourquoi pas remporter un titre dès la première saison avec l'Atlético Madrid. On joue sur 4 tableaux. La Copa del Rey, la Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions et la Liga. Objectif, c'est être. Oh! On a failli prendre un but dès le début du match. Et un corner. Ouh! Le ballon dégage en touche. Van der Lanne. Oui, la récupération. Et Torres. Torres qui va pouvoir accélérer. Torres, le ballon vers Roberto. Oh, Roberto qui se rate. Et ce sera un corner. Et un corner maintenant de l'autre côté du terrain. Et le ballon est repoussé en corner une nouvelle fois. Dommage. Torres qui n'a pas pu mettre la tête. Allez. La récupération. Ah, le ballon qui est perdu une nouvelle fois. Numancia qui part en coin, mais non. Roberto. Et le ballon là-bas sur le côté gauche. Torres. Torres le centre. Et le ballon est repoussé. Oh oui. Oh, la frappe à côté de Torres. Jeune. Oh oui! Le but de. C'est qui? C'est Augusto Fernandez qui ouvre le score dans ce match aller de la Coupe d'Espagne. Attention, le ballon capté par le gardien. Torres. Torres qui perd ce ballon.
Torres qui enroule et l'arrêt d'Esteban. Et Carmilla qui dégage loin devant. Et voilà, ce sera la mi-temps sur ce score de 1 à 0. But d'Augusto Fernandez, pas longtemps avant la mi-temps. Allez. Augusto Fernandez. Alexa Alegria qui récupère. Fernandez une nouvelle fois. Ce ballon en profondeur, ce sera pour Torres. Ah, Torres qui n'a pas pu frapper, ce sera un corner donc. Oh, la frappe et le but! Le but de Torres. 2-0 à présent pour l'Atlético Madrid. La frappe enroulée de Torres qui vient se loger dans le petit filet du gardien de Nîmes. Ah, dommage. Castanaga et la touche. Allez Roberto, allez le pressing. Attention. Ah, dommage. Valcarce sur le côté gauche, le centre repoussé. Oh, bien. Bien défendu, bien défendu. Ah, bien défendu une nouvelle fois. Le 1-2 qui n'aura pas fonctionné là. Ah, un peu long. Dommage. Trop long ce ballon. Allez, Vanderlan qui dégage. Et le ballon pour l'Atlético. La touche là-bas pour Nîmes. Et la fin de ce match avec la victoire de l'Atlético. 2-0 dans ce match aller. Allez, c'est bien fait. Or, après, on jouera contre Espagnol ou Sporting si jamais on se qualifie. Mais il ne devrait pas trop avoir de soucis. Maintenant, salaire 5,8 millions. Jusqu'en 2022, on est là. 10 buts en 8 matchs et 3 passes décisives. Allez. Le match retour, est-ce qu'on est titulaire ou sur le banc? On est titulaire. Allez, c'est parti. Le match retour donc.
Le ballon sur le côté droit. Le ballon capté par Esteban. Valcarce. Bien défendu là par l'Atletico. Allez, le ballon repoussé de la tête. Le ballon en profondeur, c'est bien fait. La frappe de Torres, qui ouvre le score. 1-0 et 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Le bon tacle de Torres. Le ballon là-bas. Et le doublé. 2-0. Magnifique. Allez. 3 buts sur l'ensemble des deux matchs. Vingt-huit minutes, 2-0. Allez. Ah, dommage. Le ballon par-dessus, bien défendu, Meunier. Meunier, la frappe et l'arrêt de Oblak. Le ballon devant. Le ballon loin devant encore. Et Oblak qui le capte. La mi-temps qui va être sifflée. Une dernière occasion pour Torres. Torres qui... Oh là là, comment tu rates ça? Je pensais au 3-0. Eh bien non. Allez, deuxième mi-temps. Allez, la récupération de l'Atletico. Le ballon devant. Oh. Ouh. Pourquoi il la donne pas là? Attention, Alex Alegria qui a tenté la frappe, mais il est contré. La récupération. La frappe et le triplé. 3-0 pour Numance, pour l'Atletico, pardon. Regardez, il peut la transmettre, mais il frappe et c'est le troisième but.
Allez, le ballon par-dessus. Allez, Torres. Torres, seul face au gardien. Et la parade du gardien, justement. Oh, à côté, celle-là. Esteban qui dégage. Et la faute sur comment il s'appelle, Roberto. Allez. Oui, la récupération. La déviation, parfaite. Ah, dommage. Ah. Le centre au second poteau. Ouh, la frappe et l'arrêt du gardien. Et la victoire 3-0 de l'Atlético Madrid, 5-0 sur l'ensemble des deux matchs. C'est bien joué. Encore une belle victoire. Et on jouera donc face à l'Espagnol Barcelone. Un derby. Le mini derby. 9 matchs, 13 buts. 170 matchs, 133 buts. Donc il y a 50 buts à mettre en 30 matchs. Non, c'est pas ça. Eh bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi et n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye.